Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu kawo ndo mdo utangweni hunu. Na ana urakanda sina uvanu wa mnyamudhulu wa kauruha basa. Lika wanana usiku wa leo hunu ulawana mno msafara ikawo wa Komoro ya ladhimo ufanye. Ya mwezi ndada reho mwezi wa Juliet. Kawo wanduwa wafiki usiku wa leo kaya. Yotuka njema ikarifanya msafara wenda wa kumbuwe le Komoro ya hatu. Ya mwezi ndada reho Juliet ya ho mwezi za ukabili. Abangi abanga sena mifumo mili kama mwezi mwa benze. Ya hudumu msafara huu. Risanga nyavanu, nga wananya siwa nzuwani, wananya siwa mwali, nga waze parti politiki, changa waze mgazi mkuu, amande IPDC, samahani, amande nyondole opozitio, amande sente, amande, desi jani bupie kama hizo masiwani, daula ya haki, wawanu, wananyasi, waheso SS demokrasi, wawanu, sosiete sivili, e notabilite, la notabilite, tenangyo banu amforso, le soutien de campagnard. Yabo, ma lieutenant wa campagnard, sawa nu, nga selbazi mandasina on, les partis, les Front démocratique, les Djoua, les Rija, les partis pires, les RDC, les Kadim, yo kawa na nyasi wezi parti wa Tanganyika ndaone ne societe civile wa Tanganyika ndaone ze daula abange rika huta ni mwana nyasi larifu hasarjewa ya dulize wana nyasi walio harumwe ardhi ya Faransa kamin tanzido siku walio unu no msafara huo kaya ngarumbu mnyezi mungu ka unu msafara huo kumori pia garendao mwezi ndada vya Juliet sonsi hamme hamse hamu muhamtiti notabilite gari walindawa wane miharuma ya hao insha Allah watatahatu wari walindawa nize subaya za hao insha Allah masababi kusutunde jone setu diantini walindawa ya hao nize diskuru za hao haina mkumori ulindawa wawo siku huo reze hinya, reze nzi ramzuwani, ramwali wananyasi wa maore kawa urundu bahati kawa wananyasi wese wadi prezante nda abongera nzinde de Carlo nyinyu ramvura mali randazi zehisanga mdodo retei le komisio ya kwaze wa hatu atenjo ni mwana nyasi mfahaya ni dimba nao ni sayidi na mwana ma abana kao we hanziwa dumoshangirizwa he daula ya haki ni mwana nyasi na ushangirizwa wewe ndi mzima wa rumasi abongiabo mwana masiotibiwa enge niko wana ama wa ni mdwaje ambababe hata lazuzu iwanwa unokaya zenungozi sasishia baha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abongar tsengele yao mze waha tu jimba nao en tant que doyen grand notable kwezi ndo kaya hamanda heli depite tosha zitekeleza rujundu vano sukwa lelo unu haonesaze janibu zontipia zehusiwa o numkonti rakantiban rikozao numendeso hauziro hauno mrengwa hauziro wa henzi alafuri wafikia na ukaya lwesisi Juliet kama kwa benze ngarjo junda Geneve abo yongi yona tafsir haka ondo siku ura kombo wa yenzi ya hatu ondo siku ura anzao tena wajau riendere ikuwa mbowe haka usiku ori kombo haruma mikono ya wazungu yonga ndora kombowe ndora afanye koleksion ritowa mihononi aho angaz aho wa Komori wajira ndo kanda aho no tsindao hakaya rono zinji rono voti zinji ruono tartibu zinji za kudetana na mizinga ya kadodiha shavo yotso parihani hakaya wakati bado ka voti wandutso ra voti ngezi johiba shale lokas jarewa lanzo sukulata na lelo kariti taari kajafiko mnozi uo yemenge abo nga muambondo hauka ya rundi hamu hazini rika ujabanu sheko faya hangu wanifikiru kaeri mrujoni wona ujokaba nutikasa wananyasi walo iho amba ukakwa jaruma mru siwa nsika batimri ale majari kuhunu shatu ndahula rija jaramba si wandwa baba yemenge abo
si wandwa baba na alihimidaze nogo zinu haukayalo mnogo zinu kono mtu ahenda batina ndwa duha zina wanazijana si wazee riwafiki ya uliwo nao baba natu wakata hende pandasi waka wazee wenjisha kwa ajaka uona ibigabu eni utuona lelewa tiramba ukanarisofe matoso onzi rihimi rihimidia mnogo zinu Gardjenda Genève, na gardjenda hini baba ni moti pia le jonda la shida kombo ngozi unuka katia kubani. Na ane kazi jaza hendo masiwani, e kazi sarende Genève nga joja renga mviyo. Abuli sarilaha, yeti lela kumare mutahiri. Kamare mutahiri wakati la kawlisi ambo kama uda mjomfanya mjomde mani interrogasyo a surprise. Si wandurjoka renga mviyo li sevanti ahaya, yeti surprise. Shanga de la hao kanga joenda nanga tsimo jo pashamvyo nzimebenge yabo walo iho ambo siti wa iho ngwa jo nda babanu walibe shaika ali singa jo sanme ardi hatu ngar jo si harma o bahanu bashirika ratu nao ndero ambo ka tsidena mainu kamtsufanya na mna staiki emenge abo kwezi batsino ambazi nji hamison ngamjorongozo wa naama ikawo si wandu obela hangu sima no tablo nano waze wahangu Wadingo hamba ukaya, oende, shaa, oende, kwa jirungule ya. Eka, kwa jirungule ya, sato jirungule. Nanga sina wenjiru wanungule yao. Ehe, amjo kanzanti mna ngubi ya, unamube ukaya juzi, ripa rohano mabunjiri yore, ndira mba umdongo ziunu, si wandwa baba, ahusi manotablo. Rumba ukaya nyinyi, eka mbo hafoti. Eka ya mbo ha, Zesha rafasa zemplasi makani zomu mdo swambio. Siba tunga sinaraboha. Hakuya riboho maruma hatu. Riboho maruma hatu. Halafunga mdi utoka kujanipare anembo kaya msa mna kajasa mna mchi. Mso mka uchiesa yue manama uo amba mdu mbaba. Yeba nmwende mkansi mka udo amba nungo za mna mcha. Ababa sadori zamba ubada we mdu mbaba. Ika ujiwano mnungo ziula. Ababa wende mlo mlave. Shaka jendeche yambali banange mwadele mbeti. Abo komunike nuka imasu ni kujoji juwa ya mdu uo Karja samdu, karja shara ambazi waza za hatu Javoko sonti pia ngarambwe mahoza rilona ayo Ina mdungu ambu zitartibu zidiyo Ngono hau Nesena mdungu juo ya mdu ya mdungu zao Haukama unurila harumansi Rudirila harumamiji Rewasilo miji ni honga sino wandu konga joji masinao Wambaka wamba tinda siya juwa mbadasi Yo tinda siya ndi Kwa tanga babulu wa joa ukasini ya rawasaya. Engu wa joa ukanda au no, rika kanda sisi wa jomba hao. Yoti kweli. Ngabo kwezi raha leji kanja heya. Shamzo niwaneshele zeni nywa mloa na zijana vanu. Ya ukaya entuma dadala rongo wa harumesha mbrote tepite hale ya kade proklame independansi ya mdua lenga mkali malabili sedi Muhammad Abdurrahman. Nasi mama da drama ningi mda zahara na nanda ziyazam mbaba hangu kachocho ucha. Ino nisindongo zilawo hule. Inu jeni. Umasiatifiku amba inu jeni. Ingi abo lelo ambao katindasi. Na toka hiyo adwamba tindasi. Abo sindiru luma rengweni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hezaleji. Ewa inti de viazi ya ndarendo Genève. Ikiri msafara wa handara ufanya Genève ndara ruava dossier ya wandua ula wa Komori wandua fungwa karakara parara rengwa kirasmi rivediha irengwa miononi wa akwe ya javili ndara fanya madamano Genève wa delegation ya karesevewa na mtu ikao wa ya charge nanzi swala lini za haki za ubinadamu be yani ika restrain karaka wengi. Bevia jini mwezi sita wa juye harma i batimo yo ya droit de l'homme ya Genève rina sali kaomba yo ya itoka na alfu yani wakomori tujua rike alfu ringi harma isani yo na vau karsenda tumba arsenda rafanyo i madama no feti be I wa madhamana wa haki za binadamu yani Commission des droits de l'homme ya Nations Unies watsojava avo
Ndetongo bakakula mtu aliona mafoto vandandisa uringeleza mafoto ya wantu pia waula wa Komori yangu Ngazija, Tanzuani, Tamuali. Na wao pia komba watu la Magobani, na wao pia wabalu wa harumu wa Malagwe wa makasi jualawa. Vani iyo deisuku ikaomba arsenda rendrawa njise mapicha, renyise na rapori ya lazimu. Wakatuo rihadisi na zetongo tuwe na providento ngomba vatre sitile ya tula metra vale torture azali. Torture dictature azali arobas gmail.com. Mtojua mveles temwanyazi zanyu pia bavo. Nika yu yanzi itova SOS Democracy Comore 1996 @gmail.com. Direnge pia zitemwanyazi zo. Msozve havani yinu tifeti tude nroifanya o Genevu. Beini, rsenda rawa nye semba insiatu ya harmu angama, irende ha presko magoba, yani prison asieluver, donko risaha, rida is haki, risaha lawe harmu ufisa dudio harmu ikomori, ishalu. Mbirati. Shado, nangangu jitika. Ewa so manza, silala, turamana meti wa SOS Demokrasi Komori na daula haki. Daula haki. Ababa angarjo ishilia mwana nyasi miraji. Combattant fidèle ou à FD. Salam alaikum. Zandani, Dokaya, Hamade Namna, Wanama, Sabiki, Wahamba, Yaukaya, Ngarijiwamini, Yaukaya, Omati Wahensi Hatu, Wajo, Ujikombo, Hamara Yasaya, Icho Haleba, Makamwabezi. Aizo, et Machangaza, Yanu, Yahé, Yaukaya, Wanrua, Wambiwa wa doto wa testament waziri wa hizi habari za waziri wa belu wa hedifai ya henti ya haya hatu belu ha subuti ambano ojizo ikao tihaki harumwa wakatirulo nuwa unu wa ambano hamadizo. Aizo ngari pokana nao na ukaya enzi ya hatu injie harumwa usibitifu harumwa nongo jizo lazima imaraia pia wahime imara wa laani nongo hamani jizo ilie amani na usalama wa enzi hatu ukae waka haina mkomori ngene haki ya uyeshi hawema harumwa enzi ya hae yenti imsaidie vao yeye yasaidie yenti yemwe yenti lati ya mjima ila ya hatu sotipia ngelazimu haina mkomori heki yasiahe maisha ya hahe ya hunre maisha ya hahe ya kibinadamu vachina urinritiwa vachina udharaulwa chaiyo nde haki ya kibinadamu raisoma harma nchinku wa manda inuri liyo Faransa ya kazinuka kazi jakaya zinu rizishukuri ya uhunu chazinu ziwaniwa lazima rihime sonti pia riwane ilinongo jazila zitambwa tena ili enti ya hatu inje haruma mendeleo enti ya hatu kegeze enti enti tituka haruma umasikini siki ba ilati haki ilati fatalite nge lazimu wanazija na wahime wahime mara wawamini wa ilati fatalite shazila nungoro jokishindarezi badili huu watuanyo hatu rike nanti rike na ujima wanti rike riwaniye mipaka maisha ya hainusi kuya ya henti ya hatu haina mru ya eshi kibinadamu shatinde na mnarili yoleo akamuwa menze assalamu alaikum. Awanga Joshilia député Hassan. Député Hula Watimis. Joshilia député Hassan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hassan 2. Amane namna wanama onesa omkonti wa leo unu numkonti mahsus luana faida muhimu. Au kawanu de me representa wa hekomor. Ekata menemna yo awa haina mnumzima ulewa banu, hakana parti, waka ino da opposition, wanti pia mwa banu. Shabi ziduwa za zanti pia lewo. Hawke mwongo zwa hatu aliswali hamokaya, ekale tu alifangilo bilijuu, kabuji hafari kabili. Osu kwa lewe yu,
bango e union de police atendewa ni watukufu alo bantu bango sente bango ze parti za tonti pia bizitsanganyiha bijeme mambia ni wakomwe kwezu kaya yesi jiyenge bendao rakombwe wenti hamara ya vili hawo kenti kanzanga mizwani wandu muwatu wao shamyezi mugwa ni kebiswara kaptwenda ratsabu ndo rakombwe ente bale mwe yani kwezu watukufu ya 1500 Mohamed Ismaïla, mwanachama wa CRAN. Voilà, citoyen pour la relance de l'action nationale CRAN. Ngo harimaze mbwana zino hakaya karna ujuari kekari kaharimaze mbwana zino kwa sababu ya ukaya ye mishinzi ya hensi ya hatu ya warilo ngero aluwahi na wakati yode mani kao ngarujuka haina bahanu wa ukaya ili redafi ya mishinzi hiyo na haine mlikao nguiru wario enapani yala dhimurimbehe rimbehe yode mani kao mshafara wa jene vula dhimarike yao riwaneze mbwana hizo rihezele ji hata ya mishinzi hiyo irejei wa salamu alaikum. Wavanga ju hunda edomana wa he IPDC ngari bindawo kabli ya rahare janika metre larifu omrongo hautimizi ngaranzauri oneseuka riunjilia nabano sikwa leo ze parti pia abo karambane ze parti abo yonde union de l'opposition puisque ngabo UPDC ngabo jua ngabo rija ngabo kadim ngabo CRAN ngabo FD ngabo FDC ngabo UNDC ngabo ngabo RDC donc ze parti zontipia za hentia hatu ngabo zentipia za bontiju hatu zihondana banleo hautwalia ili rendera kombo yentia hatu hamara ya bili hari mwale jumba la Nations Unies ya utsaha obahanu eyadu yo ya kaundo ya lio rimkaze bahanu harmanzia za ibu insha Allah taala engende mana ramjulia na bano sikwa leo riwafikia na sontipia ze organ zontipia aboramba sente union de l'opposition société civile daula ya haki aboze janibu zontipia ngizo ban leo rirenga emiadio ya ukaya emwezi sita ya juillet ngasi aux Nations Unies ho wa komori harmwenda davu yontipia rende rarengenti ya hatu inshallah taala. Donc, on vient de faire ce réunion, Maître Larif. J'aimerais bien que tu fasses une petite allocution en français de nous donner exactement, c'est le plus important de cette réunion, l'objectif sincère, là où on doit y aller et qu'est-ce qu'on doit faire, puisque déjà, on voit la situation néfaste qui s'impose dans notre pays. Trop, c'est trop. Donc, je vous écoute, maître. Merci de me donner la parole. Je tiens d'abord à remercier nos frères qui sont ici présents, qui représentent les différentes organisations politiques de notre pays. La société civile est bien représentée et les différents comités de Daoula Hack sont présents également. Et on a une ONG qui est représentative de la société civile comorienne qui est ici présente, SOS Démocratie. L'union de l'opposition est présente à travers ses différents composants qui sont ici.
Il y a aussi le mouvement de la jeunesse, et puis il y a le CNT également qui est ici présent. La présence de toutes les organisations, la notabilité, bien sûr, bien évidemment, la notabilité est bien représentée par notre grand frère Djimbanaou, et Fouhaya également, Mahmoud. Bon, je tiens tout simplement à dire que cette unité traduit bien la prise de conscience qui s'est traduit aux Comores par différentes réunions, notamment la conférence de presse tenue hier par l'Union de l'Opposition et puis par le CNT et les forces vives, toutes les forces vives des Comores. Pourquoi cette réunion aujourd'hui? C'est parce que nous avons enfin la possibilité d'être écouté, c'est pas la première fois, mais cette fois d'être écouté, d'être accompagné par des organisations, d'abord par les organisations non gouvernementales, des ONG, qui ont donné leur accord pour accompagner les forces vives comoriennes dans leur combat pour la démocratie et contre le régime antidémocratique qui s'est installé aux Comores. Bon, donc nous allons à Genève, s'il plaît à Dieu, le 6 juillet. Pourquoi le 6 juillet? Puisque c'est le jour de la célébration de notre indépendance. Ce sera une opportunité pour nous de lancer un grand message, un appel solennel au sein du système des Nations Unies pour demander à ce que le cri de détresse, voire même l'appel de détresse du peuple comorien soit entendu et que le peuple comorien soit accompagné par des forces vives des sociétés, de la société civile qui travaillent, qui militent contre la dictature et pour la démocratie et pour les droits de l'homme. Bon, donc désormais, à partir du 6 juillet, nous pourrons estimer que la cause portée par tout le peuple comorien ne sera pas une cause isolée, mais elle sera soutenue, parrainée par des ONG. Et c'est en ce sens que ce rassemblement à Genève est un, à mon avis, ce serait un pas géant vers la reconnaissance de la légitimité des combats que nous menons depuis plusieurs années déjà, contre la dictature et contre la persécution et puis contre aussi ce climat de terreur qui maintient notre pays dans un système, bon, il faut dire les choses clairement, un système mafieux qui a pris notre pays en otage. Bon, donc ça sera une journée de libération, ça sera une journée d'espoir pour tout un peuple comorien, et puis nous osons espérer avoir un message extrêmement fort et puissant à lancer en direction de ceux qui sont au pays, qui sont pris en otage par le colonel Azali. Donc nous demandons que les Comoriens qui sont en France viennent massivement à Genève. Ce sera un moment d'émotion et puis un moment d'espoir, puisque ceux qui sont en prison et ceux qui sont aux Comores, qui sont pris en otage, verront que bon, ceux qui sont à l'extérieur font ce qu'ils peuvent pour justement faire revenir l'espoir. Voilà. Bon, donc c'est le sens de cette réunion. C'est pour préparer ce grand rassemblement, ce grand rendez-vous. Nous voulions que ce rendez-vous soit inclusif. Je pense que c'est le cas, puisque toutes les organisations politiques aux Comoriens sont ici présentes. Nous voulons que ce rassemblement soit inclusif. La société civile comorienne est représentée ici. Et puis, bon, ça sera un grand moment. Nous osons espérer que ça sera une étape décisive pour la victoire du peuple comorien. Mais juste, je vais profiter de vous poser une question, puisque hier, j'ai suivi le discours du ministre, soi-disant ministre de l'Intérieur, en condamnant les propos de Bellou. Que pensez-vous
Non, mais maintenant, nous, on ne pense qu'à une seule chose, hein, c'est la chute du régime d'Azali. Non, non, donc, suivant le discours. Oui, mais est-ce que vous croyez qu'au fond, ils condamnent les propos de Bellou ou non? Ça, c'est le problème de voisinage qu'ils ont entre eux, quoi. Qui dit Bellou dit Kiki, et qui dit Kiki et Bellou dit Azali. Bon, donc ça, c'est leur problème à eux, c'est pas le problème des Comoriens. Le problème des Comoriens, c'est de trouver les moyens de se débarrasser de cette équipe de mafia. Et nous avons, les moyens de le faire partir. Je pense que la fin de cette péripétie touche à sa fin, s'approche plutôt, et qu'ils se querellent entre eux, c'est pas ça notre préoccupation. Maintenant, nous sommes persuadés de disposer tous les moyens nécessaires, démocratiques, pour se débarrasser de... La détermination, elle est forte. Et la conviction qui est partagée par le peuple comorien, pas un seul individu, hein, mais par le peuple comorien, de se débarrasser de cette dictature, elle est incontestable. Et c'est pour cette raison que nous sommes déterminés, c'est pour cette raison que nous sommes forts, et c'est pour cette raison que nous n'avons pas peur des armes. Et c'est pour cette raison que nous avons tous signé nos testaments également. Bon, nous sommes déterminés. Vous savez, le dernier mot revient toujours au peuple. Voilà, le dernier mot revient toujours au peuple. Et c'est le peuple comorien qui a le dernier mot. Et notre présence, Inch'Allah, massive à Genève, sera un signal fort au monde entier. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est un message fort le jour de notre indépendance. Nous allons le lancer. L'endroit où notre indépendance a été reconnue officiellement. Vous voyez, c'est symbolique. Mais la politique et le combat sont faits des symboles. Bon, donc, ça sera symbolique pour nous et c'est très important. Ça va être un message puissant, ça va être un message d'espoir que nous lancerons à la communauté internationale. Juste dernière question. Hier, on a attendu un des fervents de l'Union de l'opposition, Issouf Bouana, qui a lancé un slogan hier. Le stylo, l'encre, le papier. Que diriez-vous? Ben écoutez, voilà, ça c'est une expression qui illustre cette détermination. Vous voyez, c'est une marche qui est sans doute longue, mais c'est une marche sans retour. Voilà. Okay. Je pense que nous avons tous payé un billet simple. Il n'y a pas de retour. D'accord. Ok, merci beaucoup. Kwezi wanama wa dzahatu wa babahatu abori kabulunga abo emwezi sita ya juillet Genève. Lori joho nana haukombo wa nsi ya hatu hamara vilitse na isha dhautala asantamara.